Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, alors oui, quand je suis contente j'ai tendance à bouger comme ça, pour essayer des perruques à moins de 10€ que sur un site qui s'appelle DX qui m'avait contacté. C'est genre un site comme AliExpress tout ça, donc les délais de livraison sont assez longs, mais ça coûte vraiment pas cher. Franchement les perruques, quand j'ai vu ce choix de perruques à moins de 10€, enfin tout était en dollars, mais en gros ça fait environ 10€ quoi, je me suis dit il y a un souci là, c'est pas possible. J'en ai commandé 6, je ne les ai pas ouverts, comme vous savez j'aime avoir la first impression en direct avec vous. Par contre je vois déjà ça. Je crois que c'est pas du tout comme sur la photo, parce que genre sur les photos les meufs elles sont trop belles, on dirait carrément pas des perruques. Donc franchement j'ai quand même assez des doutes, mais écoutez, peut-être qu'on va avoir une bonne surprise et que ça va être des perruques de ouf. Par contre quand on a la tignasse que j'ai, c'est pas trop facile pour mettre les perruques, du coup je sais pas trop comment faire hein. Je pense déjà je vais tout mettre en arrière. Essayons la première perruque. Allez, je prends celle-là. La couleur avait l'air magnifique, elle a l'air très belle aussi en vrai. On a le petit bonnet et la perruque. Ok, donc là franchement je suis assez espantée. Nous avons style une raie. L'intérieur c'est vraiment bien fait pour accrocher avec le truc et tout. Là, la qualité, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de cheveux. La couleur est très jolie. J'ai pas l'impression que ça fasse trop fou. Écoutez, je me tâte, je languis, essayez. Alors, on va mettre cette chose sur la tête. Ok, on va faire exactement comme sur l'image. Donc, elle fait ça, ça. Oh non, mon maquillage. Oui. Tu sais, c'est comme quand tu te maquilles, qu'après tu dois t'habiller, que tu dois mettre un col tout serré. T'es là, t'es en mode... Je prends, tac. Je mets là, attendez, je vais mettre un miroir. Ok. Et là, comment je fais en fait en... Je vais essayer de mettre... J'ai une super tête, voilà, de plaquer style mes cheveux comme ça. Parce que j'ai pas envie d'avoir la bosse derrière. Est-ce que ça va marcher ce que je suis en train de faire? Je ne sais pas trop. Écoutez, hein, on va faire comme ça. Il faudrait que je recule ça peut-être. Voilà, hop, étape numéro 1 c'est fait. Et maintenant on va mettre la perruque, la perruque. Elle m'a l'air assez serrée cette perruque. Yeah. Mais j'ai l'impression que ça ne rentre pas. Je vous raconte pas comment je suis tirée, je suis en train de me faire un lifting. Je n'arrive pas. Je crois que là on est au max, hein. Alors ça fait carrément pas vrai. Oh, mais c'est quoi ces cheveux? La texture du cheveu est extrêmement bizarre. Je sais pas si vous allez entendre. Parce que oui, j'ai un nouveau micro. Ici, là, ouais, ça fait trop tac net. La texture des cheveux est vraiment trop bizarre. Je sais pas comment expliquer. Après, franchement, je pense que ça pourrait passer. Avec un bonnet ou quoi. J'adore la couleur, les filles. La couleur est magnifique. ça me fait trop chelou, quoi. Faudrait que j'aille chercher un espèce de petit bandeau, là, pour cacher un petit peu. Genre, tu caches ça. Je pense que ça peut bien le faire. La longueur arrive ici. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de cheveux. Hein. Ça fait vraiment que de rats, comme dit ma grand-mère, hein, au bout. Mais, ah, par contre, elle perd les cheveux. Avant, regardons si c'est pareil que sur la photo. Je m'en rappelle plus, donc je verrai aussi au montage si c'est pareil. Mais non, pas pour le prix, je suis carrément pas déçue. Je m'étais acheté un petit bandeau qui se croise comme ça. Alors attendez, parce que vous savez que la logique et moi, ça fait deux. C'était un bandeau croisé, le machin. Aïe, 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 j'en ai marre de rien comprendre. Comment? Pourquoi? Ah, comme ça. Et pourquoi ça se croise pas en fait? One eternity later. Bon écoutez, ça m'a saoulé, donc je l'ai mis en mode normal, hein, comme ça. Alors qu'est-ce que vous en pensez franchement? Non mais ça va pas ce bandeau là. Du coup le fait qu'on cache l'arrêt ici, je trouve que ça fait vachement plus naturel. J'ai pas un autre bandeau. Bon, je vais mettre celui-là, tu vois, c'est cet effet que je voulais croiser style. J'ai l'impression d'avoir une tête de E.T. par contre, hein, derrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas trop si... Genre, est-ce qu'on voit que j'ai une perruque ou pas? Vraiment, un gros gros coup de cœur sur la couleur de cheveux. Et je trouve quand même que ça fait pas brillant comme des cheveux, des faux cheveux. Mais quand même, c'est chelou. Bref, on va passer à la perruque suivante. Alors par contre, là, les trois perruques là que j'ai reçues, j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes. J'en prends une au hasard. Bon, du coup, on a de nouveau un cap. Je vais pas manquer de ça. Alors là, par contre, déjà direct, ça brille trop. Alors j'ai vu... Que genre quand ça brillait trop les perruques synthétiques, on pouvait mettre du talc. Moi j'en ai pas, mais je me dis que peut-être du shampoing sec, vu que tu sais quand t'as mépris ça fait blanc un peu, ça fait genre comme du talc. Ça pourrait faire l'affaire à voir. Alors waouh, celle-là est très très longue.
Ah, c'est énorme ce truc. Pareil que pour celle-là, on a l'intérieur avec des petits crochets et tout. Franchement, je suis espantée parce que j'aurais pensé qu'à ce prix, c'était vraiment des perruques comme t'achètes genre à Party Fiesta, enfin des trucs de déguisement quoi. Là, pas du tout. Hein. La couleur est magnifique. Mais c'est vachement brillant, ouais, on le voit à la caméra. Je pense qu'on pourra passer un petit coup de shampoing sec. Mais je la trouve hein, très très jolie cette perruque. T'as le machin, je peux te dire que si tu le mets bien, elle tient bien hein, cette perruque. Ah, oh, ça fait du bien, j'ai l'impression que ma tête respire quoi. Là, la question que je me pose, c'est où je vais mettre ces perruques. Parce que j'ai pas de place. C'est trop dommage de les mettre en boule, elles sont trop jolies. Elles faisaient là trop belles. Ah, c'est horrible, je m'accroche, ça me fait trop mal. Hier, je me suis cassé un ongle et ça s'est cassé dans le rose. C'était vraiment très intéressant. Hey, comme d'habitude, tête de E.T. Là, la couleur, c'est un blanc gris. Ça me change pas trop de d'habitude, hein, celle-là, je trouve. Je vais voir, je vais chercher du shampoing sec, voir si ça peut enlever un petit peu cet effet brillant. Ouais, vite fait, hein, j'ai l'impression que... Oh merde, j'ai fait une bêtise. J'en ai mis sur l'arrêt. Bon ben là, du coup, c'est foiré. J'ai eu une très bonne idée, n'est-ce pas, franchement. Les cheveux sont toujours brillants et en plus, j'ai l'arrêt qui est blanche. Hop, je vais essayer voir avec un nouveau bandeau dos. Ah mais c'est hyper joli, quoi. Ah, j'aime trop. Ah, franchement, les boucles, elles sont trop bien faites. La couleur est très jolie. C'est un peu ce style de couleur que je voudrais en plus. C'est un blanc très naturel, un blanc beige, je dirais. Franchement, j'aime trop. Qui l'aurait cru? Franchement, je pensais que cette vidéo allait être une catastrophe, que ça allait être tout pourri. Passons au prochain. Ah, je crois que celle-là est courte. J'ai pris un carré court, genre, pour voir si ça m'irait bien les cheveux courts. Et la photo, c'était genre Beyoncé dessus. Vais-je ressembler à Beyoncé? Je me dis quand je vais vieillir, tu vois. Je sais pas si je vais garder mes cheveux longs. Je me dis de faire une jolie coupe, un carré ou quoi comme ça. Ah ouais, c'est vraiment court, quoi. Et franchement, c'est super bien fait. Bon, ça brille encore quand même. Hein. L'intérieur, toujours pareil. Par contre, on peut m'expliquer pourquoi ils mettent des petits cheveux courts derrière eux comme ça? Je comprends pas. Bon, ça se voit pas, tu me diras, mais bon. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de cheveux après. 1, 2, 3. Oh my godness. Ah, oh mon dieu. Oh là là. Maman, je me reconnais pas. Ça me choque. Oh, rien que sentir les cheveux ici, c'est trop chelou. Attends. Oh. Mais écoutez, c'est assez... c'est extrêmement bizarre. Hein. Mais quand j'ai l'énergie, je rigole. Hein. Franchement, là, comme ça, j'ai l'impression que les cheveux courts, ça m'irait vraiment bien, quoi. Mais vous vous rendez compte, hein? Tout couper mes cheveux, c'est pas possible. J'ai envie de changement, mais bon, quand même. Hein. J'ai l'impression que celle-là, c'est celle qui fait la moins force. Hein. Non? Je sais pas. Enfin, pour voir avec, avec le bandeau. J'ai l'impression que ça va mieux sans le bandeau, non? Enfin, là, on voit moins que c'est une perruque aussi, hein, tu me diras. Qu'est-ce que vous en pensez? J'enlève le bandeau. Je suis espantée. Je suis espantée. Là, dans mon miroir, on dirait presque des vrais cheveux. Mais là, dans le retour, j'ai l'impression que ça brille à fond quand même. Hein. Moi, je pourrais pas sortir comme ça parce que tu vois que t'as une perruque. Hein, c'est trop, c'est trop. Passons à la perruque suivante. Alors, je crois que c'est celle avec une frange. Hein. Je me suis dit, vas-y, prends pour un petit peu changer de tête. Ben là, en tout cas, c'est bien le cas. Hein. Alors là, je pense que ça peut faire réel. Parce que qu'est-ce que c'est qui gâche tout? C'est ça, c'est ce côté net, tu vois. Alors par contre, là, c'est un blanc assez... Là, je passe dans tous les blonds, là. Nous avons eu le blond gris, nous avons le blond jaune, et nous avons le blond un petit peu rosé. Aïe! Ça me fait mal, chaque fois ça s'accroche. Bon, hein. On dirait que je me suis fait amputer du doigt, mais bon, c'est pas grave. Il y a pas de pince, quoi. Il y a juste un truc pour la serrer. Mais il n'y a pas de pince à celle-là. Attention! Yeah baby, oh mon dieu. Oh mon dieu, ça prend forme. Ah, moi c'était quoi ça? Ah, c'est la première fois que je me vois avec une frange. Ah non, ça me va pas du tout la frange. Ah non, j'aime pas du tout. Franchement les filles, la frange est trop bien faite. On dirait une vraie frange, un truc de dingue. Attendez, je vais essayer de pouvoir de mettre sur le côté ou quoi. Oh là là, ça me rajeunit. Quand j'étais jeune, j'avais cette coupe. J'avais un peu cette coupe, j'avais toujours ma mèche comme ça. Elle est plutôt réussie cette perruque, franchement. Passons à la prochaine perruque, il nous en reste deux. Bon, celle-là, franchement, bon, vas-y, on va la tester de suite, celle-là. Oh là 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 là.
sur la photo que je vous mets ici, voilà, The Bomba, je me suis dit, tiens, on va délirer un petit peu, mais bon là, on va voir peut-être parce qu'il y a le filet aplati les boucles, parce que là, ça fait genre perruque disco, tu sais, que t'achètes vraiment dans les trucs de déguisement, quoi. Oh les filles, ça fait vrai, de dingue. Franchement, j'ai envie de mourir avec ça sur la tête. Je rigole déjà, quoi. Attention, vous êtes prêtes? 1, 2, 3. Oh là là les filles, oh là là, c'est même pas oh my god, c'est oh là là. Oh là là, il faudrait qu'elles soient un peu plus longues les boucles quoi, parce que franchement, ça fait quand même hyper naturel. Bon, c'est un peu choquant vu la blancheur de ma peau. On voit que voilà, c'est pas tellement naturel. Vraiment, les boucles sont super bien faites, je sais pas si on va voir d'un peu plus près. Ça fait, genre sur moi, ça fait faux. On voit que c'est pas mes cheveux quoi. Ou non, je sais, parce que c'est noir, les cheveux sont noirs, c'est pour ça que ça fait faux. Comme ça. Et finissons cette vidéo avec la dernière perruque. Vous savez les filles, plus je me regarde, plus en fait je trouve que ça fait naturel. Ça aurait pas été aussi noir, ben ça aurait carrément passé. Genre c'est la seule perruque qui fait le plus naturel quoi. Yeah baby. Je suis quand même libérée quand je l'enlève. C'est parti. Donc celle-là, elle a l'air jolie mais elle ressemble quand même à fond à l'autre que j'ai pris. 1, 2, 3. J'ai l'impression que c'est exactement la même que celle-là, sauf qu'elle est d'une autre couleur, et j'aime pas. Franchement, c'est très joli, la couleur est jolie, mais c'est pas mon... Ça me va pas, je trouve, j'ai pas l'habitude de porter des tons comme ça. C'est celle que je préfère le moins, voir avec le petit bandeau. Ouais, même avec le bandeau et tout, j'aime pas trop... C'est les couleurs cuivre en fait, ouais. Je pense pas que ce soit pareil que sur la photo que je vous mets ici. Je pense savoir laquelle c'est, et non, si c'est ça, c'est pas du tout pareil. Bah écoutez, on a déjà fini cette vidéo, purée j'en aurais essayé mais à fond de perruques, j'adore ça. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 où j'essayerai d'autres perruques. Mais là faudra franchement que j'achète un rangement à perruques quoi. Que dire sur ces perruques, parce que sans vous mentir je pensais pas du tout que ça allait être cette qualité. Vraiment pas quoi. Quand je regarde comme ça, on dirait des vrais cheveux. Par contre à ce niveau là, pas du tout, ça brille trop. Ça va bien pour délirer ou même si tu mets un bonnet ou quoi, tu peux carrément sortir avec, ça c'est sûr. Mais je vais l'enlever parce que... Je commence à plus supporter. Ah, fait du bien de retrouver ses cheveux quoi. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like et à me dire si vous voulez une autre vidéo de ce style. Je vous fais plein à tous d'énormes gros bisous et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.